Salut à tous, c'est Baïsanka. Donc aujourd'hui on est en compagnie de Tintin pour vous présenter un nouveau projet qui arrivera prochainement sur sa chaîne. Comment ça va Tintin? Impeccable. Tranquille? Alors on est dans le vif du sujet là. Allez direct. C'est parti. Donc pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne de Tintin, je vous mettrai le lien dans la description. Toutes les semaines il sortait les courses de la semaine. À chaque fois une course où il fallait battre le, essayer de faire le meilleur temps dessus. Et on a décidé d'améliorer un peu le projet, le concept, et de le rendre un peu plus intéressant pour vous et pour nous. Et je pense que ça va vous plaire. Donc quelques petites modifications. Avant c'était simple, il y avait une course à battre toutes les semaines. Maintenant on va mettre un système de points. Donc tout va se jouer sur 10 courses. En 10 courses, on va mettre un petit système de points. Et à la fin de ces 10 courses, celui qui a le plus de points, les 3 meilleurs, vont remporter des lots. On va vous montrer tout de suite les lots qui sont juste ici. Le petit carton qui est arrivé donc il y a quelques jours, j'ai attendu que Tintin arrive. Je te laisse les montrer quand même. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Alors attends, voir. Quand même, tu vas les montrer par... par ordre de... De place, de voilà. Podium. Le troisième. Alors le troisième, il a... Un bout de papier, du carton. Non, je déconne. Alors. Ouais. Donc le troisième, il aura le droit à un strike pack. Donc, c'est un modèle d'Xbox qui est ici. Moi, j'en avais reçu un modèle PS4 pour moi il n'y a pas longtemps. Si jamais vous êtes sur PS4, je vous enverrai le mien. Je garderai celui-ci au pire et j'essaierai de l'échanger avec le site moi-même par la suite. Donc ça, c'est pour la troisième place. Ensuite... La deuxième. Pour la deuxième place. Oui, c'est un peu plus gros. C'est un peu plus gros. Et franchement, il est stylé. Un casque. Franchement, il est ozone. Franchement, il est pour une meilleure qualité de micro avec nous en vidéo, ça peut être cool, non? Pour celui qui gagne, il aura une meilleure voix du coup. Donc ça, c'est pour le deuxième. Franchement, il a un bon design. Hein. Ah bah non, oui, c'est pour donc, le pareil, deuxième. On va pas les ouvrir, hein, mais franchement, ils sont stylés. Donc ça, c'est pour la deuxième place. Et ensuite, pour la première place, je vais mettre ça là. Oh, il a fait tomber. Pour la première place, s'il gagne de plus en plus, et bah du coup, il pourra enregistrer ses gameplays. Plus besoin du PS Share. Il enregistrera direct avec l'AverMedia LGP2. LGP2. Qui est vraiment pratique. Vous pouvez enregistrer en fait sans avoir de PC à côté de vous. En plus, regarde, grâce à la petite carte. Du coup, quand j'ai été à l'événement, là, j'avais été à Londres enregistrer. Regarde, hop. Du coup, vous mettez la petite carte micro SD dans la petite fente qui est juste là. Vous enregistrez sans PC et quand vous rentrez chez vous, vous enlevez la micro SD, vous mettez tout dans le PC. Donc ça, c'est les petits lots. Oh, ouais, tous bien il y a moyen de le casque, le machin ici et le petit boîtier, voilà. Donc pour les 3 gagnants de ces 10 courses, on va essayer de pouvoir faire ça. Toutes les 10 courses, on va essayer d'avoir des lots. Donc merci à AverMedia et à SteelGamer donc, qui ont fourni les lots pour ce tournoi. Merci à vous. Et ensuite, on va passer du coup aux règles. Qui ont été un peu modifiés et qu'on a apporté. Donc, le tournoi va se passer sur 10 courses. Sur ces 10 courses, il y a des systèmes de points. Toutes les personnes qui verront un gameplay à Tintin auront un point de participation. Le petit normal. Point qui fait plaisir. Par contre, ce petit point, il faudra le mériter quand même au niveau, on va vous expliquer ça par la suite. Donc, le point de participation, c'est un point. Le premier, il aura 5 points. Le deuxième, il aura 3 points. Et le troisième, il aura 2 points. Comme ça, quand même, que le premier, il ait un léger avantage voilà, par rapport aux autres. Qui mérite ouais. Quand même. Il a un point supplémentaire. Voilà. Donc, ensuite, pour le point de participation, pour nous envoyer donc, votre gameplay, donc, c'est par mail. Le lien du mail sera dans la description. Envoyez-le comme on va vous montrer. On va vous mettre un petit modèle de mail. Dans l'objet, donc dans le titre, bien marqué comme ça, votre pseudo, par exemple, Baïsanka, 1 minute 36. Hashtag CDL... CDLS20, mettons le numéro de la course en question, voilà. de la semaine en question. Ensuite, du coup, ça c'était au point de participation. Pour les gameplays, donc, vous pouvez enregistrer soit avec un boîtier d'acquisition, soit avec le PS Share sur la console. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 60 minutes, donc tout le monde peut enregistrer, il n'y a pas de souci. On va essayer de choisir des courses avec des tours de 2 minutes maximum. Sinon, ça devient trop long après. Par contre, sur le gameplay que vous envoyez, faut qu'on voie le véhicule que vous sélectionnez, qu'on soit sûr que ce soit un véhicule non custom, pas de véhicule custom pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Et le gameplay du début à la fin sans aucune coupure, sinon le point de participation ne comptera pas. S'il y a une coupure, ça peut être un. Bah c'est pas légit en fait. Voilà, on veut le gameplay du début à la fin, même s'il est trop lent, vous nous mettez 15 minutes avec du vent devant. Pire ça, on s'en fout, nous c'est jamais. On se débrouille après. On se débrouillera, ouais. Mais on veut vraiment que ce soit sans triche, que personne, vraiment dans une bonne humeur et... Ouais, c'est ça. Bah, de façon, pour résumer tout simple, c'est le début véhicule non custom et votre course terminée. Et votre course jusqu'à ce que le temps y baisse. Voilà. Et ensuite, vous pouvez couper quand vous êtes dans le ciel et vous envoyez le gameplay donc à l'adresse mail qu'il y a dans la description.
La course, toujours, sera dans la description. Tatin, ce qu'il fait généralement, c'est que sur la course qui est en cours, il met toujours le meilleur temps en top commentaire. Donc si jamais vous voulez savoir, vous venez de faire un bon temps et vous voulez savoir si c'est le meilleur temps actuel, vous allez vite voir sur sa vidéo, bim, dans les top commentaires, il y aura écrit par exemple le meilleur temps actuel, 1 minute 34. Donc il sera toujours en commentaire épinglé sur la chaîne, donc je l'actualise à chaque fois que du coup j'ai un meilleur temps et c'est comme ça que vous pouvez voir si vous êtes gagnant ou pas en fait. Non, c'est bon, là c'est clair. Je pense que c'est bon. C'est clair, vous avez tout. Les cartes sont dans vos mains. Du coup, la première course qui commencera officiellement pour le tournoi, c'est dimanche sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description. Partagez la vidéo qu'un max de personnes puissent commencer le tournoi en même temps. Et essayez de participer toutes les semaines, même si vous envoyez qu'un petit gameplay histoire d'avoir le point de participation. Ça sera toujours ça. On vous remonte rapidement les lots qui sont juste ici. Donc le troisième remportera un strike pack Xbox ou PS4. Ça ensuite, c'est moi je vais gérer pour pouvoir l'échanger si vous êtes sur PS4. Le deuxième, il aura un Ozone Honda Pro, qui est franchement pas mal. Et le premier, il recevra un AverMedia LGP2 pour pouvoir enregistrer vos gameplays. Et puis voilà les gars, bah j'espère que ce petit concept va vous plaire. On vous dit bonne chance. Et puis que le meilleur gagne. Allez, bonne chance les gars. Allez, salut. Quand je dis pouce, vous dites bleu. Pouce bleu, pouce bleu. T'as aimé la vidéo? Lâche un pouce bleu. Pouce bleu.